Dans la cinquième saison de Marié au premier regard, Fred rencontre Mlyn, dont il est aujourd'hui séparé. Aperçu très proche de plusieurs candidates du programme d'M6 depuis sa séparation, l'agent immobilier s'exprime sans filtre sur ses rapports avec ces dernières dans les colonnes de Télé Loisirs. CEST en 2021, dans la cinquième saison de Marié au premier regard, que Fred est révélé au grand public. Père célibataire, il décide de s'en remettre à la science pour rencontrer le grand amour. Devant les caméras du programme phare d'M6, l'agent immobilier épouse Mlyn, avec qui il est compatible à 85%. Malgré quelques mois d'amour a priori sans nuages, les deux époux se séparent. Une rupture engagée par la jeune mariée qui aurait fait un blocage. Redevenu un cœur à prendre, l'ancien candidat retente sa chance dans Time to Love, la roue de l'amour, émission inédite actuellement diffusée sur TFX. En bon terme avec son ex-compagne, CEST grâce à elle qu'il se lance dans cette nouvelle aventure. CEST un peu grâce à elle que j'ai fait Time to Love. À la base, CEST elle qui avait répondu à l'annonce de casting. Point, je lui ai dit, mets-moi sur le coup car j'étais prêt à refaire une émission si ça parlait d'amour et que c'était sincère, déclare-t-il. Une recherche sincère de l'âme sœur qui contredit de prétendues relations avec d'anciennes candidates de Marié au premier regard, à l'image de Léa ou de Maureen, dont il est particulièrement proche. À ce sujet d'ailleurs, Fred s'agace dans les colonnes de Télé Loisirs. Il ne cesse de jamais rien passer. Au cours d'une interview avec le média ce jeudi 7 septembre 2023, le Parisien regrette que sa proximité avec certaines participantes de Marié au premier regard soit parfois perçue comme des idylles naissantes. On m'a prêté des relations avec Cindy, saison 6, note de la rédaction, Maureen, Léa, saison 7. Alors que pas du tout, il ne cesse de jamais rien passer, affirme-t-il d'abord. Il ajoute, marié au premier regard, CEST une grande famille. On aime passer du temps ensemble. On a vécu la même expérience. Quand je suis avec Yannick ou Clément on ne fait pas d'article disant que je suis en couple avec. De nombreuses amitiés mais aucune romance, donc.